Marcel Fournier prend contact avec la politique à travers la défaite de son père, candidat aux élections municipales à Plessisville. Par l'influence de ses sœurs et de sa mère, qui lisaient beaucoup, dit-il, il est aussi introduit à l'univers de la culture, ce qui détermine finalement sa destinée sociale. Au lieu d'aller vers le droit, il s'oriente vers le monde des universitaires et choisit d'intervenir dans la société par l'écriture. C'est justement à cette question de l'écriture que Fournier consacre ses recherches actuelles. Il a observé le développement des sciences sociales dans le champ scientifique québécois et parcouru les œuvres des auteurs essayistes qui ont contribué à l'essor de ces sciences depuis le tournant du siècle dernier. Il rappelle trois interprétations du devenir de notre société privilégiées par les sociographes ou les sociologues jusqu'à aujourd'hui. La période dont je me rappelle le plus, c'est pas nécessairement la petite enfance, même si on dit que tout se joue dans les deux ou trois premières années. Ce dont on se souvient le plus, c'est beaucoup plus le climat intellectuel, social, dans lequel finalement on était élevé à partir de l'âge de 7-8 ans jusqu'à 15-16 ans. C'est peut-être cette période-là qui est la plus intéressante là, à rappeler à ce niveau-là. Et un élément, finalement, c'était pas dans... Je suis pas né dans... Ni dans la campagne, ni dans la grande ville. Bon, je suis dans un entre-deux, dans un petit village... Dans un petit village qui est devenu une petite ville des Bois-Francs. Dans un milieu qui était, disons, relativement aisé. Mon père était... petit industriel, ou petit entrepreneur. Bon, le terme changeait selon les époques. Je pense qu'il était finalement manufacturier, donc propriétaire d'une petite entreprise dans le secteur de la chaussure, qui est un secteur relativement prospère dans les années 30-40 et relativement difficile, et même très difficile, dans les années 60. Donc, la situation économique dans laquelle j'ai vécu, c'est beaucoup plus dans une situation économique qui s'est dégradée. Et bon, c'est peut-être dans ce processus-là, finalement, que s'inscrit mon orientation vers la sociologie. C'est-à-dire où on transmet, où la volonté de transmettre un capital économique devient difficile. Oui. Ce que l'on fait à ce moment-là avec les enfants, c'est, on le voit dans le secteur du petit commerce, de la petite entreprise, c'est de faire étudier les enfants. À ce moment-là, c'était dans les collèges classiques, pour leur permettre, finalement, habituellement, d'accéder à une profession libérale indépendante, qui était soit médecin, soit avocat. Je veux dire, je pense que à la fois le milieu dans lequel j'ai vécu, l'éducation finalement que j'ai reçue, bon, faisait que la position auquel je devais accéder, et c'était entre autres le désir, disons, de mon père, était d'être avocat et de faire de la politique. Donc, si je ne suis pas devenu, disons, avocat ou homme politique, bon, il y a probablement un certain nombre de facteurs qui seraient expliqués et qui sont, sur lesquels je pourrais, disons, revenir. Mais ça décrit un peu, disons, l'univers. C'est l'univers, finalement, des années 50 et 60, c'est-à-dire de la fin des collèges classiques. Oui. J'ai pas connu la période, disons, des cégeps, j'ai connu beaucoup plus la période de la fin des collèges classiques. Une période où, finalement, on se battait, nous, en tant qu'étudiants, surtout au niveau des belles-lettres rhétoriques, philo, on se battait pour changer, disons, ce système-là, pour entrer, tout au moins à ce niveau-là, dans la modernité. C'est-à-dire, on avait l'impression d'être élevé, disons, dans un univers culturel qui était complètement, disons, désuet, complètement, disons, dépassé, soit au point de vue, disons, de l'enseignement de la philosophie, au point de vue de l'enseignement des sciences, au point de vue de l'enseignement, disons, des lettres. On véhiculait une culture humaniste qui nous semblait dépassée. Ce qui n'était peut-être pas mauvais que d'avoir, disons, ce pôle d'opposition, ça nous a permis en tant qu'étudiants, en tant que génération d'étudiants, de nous faire des dents contre quelque chose. Je pense que beaucoup de notre orientation s'est définie, disons, en opposition à un climat, disons, politique et un climat culturel qui était ce qu'on peut appeler, disons, la fin du régime du plessiste, mais c'était finalement la fin de cette période-là, contre laquelle, finalement, on se battait, mais c'était aussi une période qui s'est écroulée par elle-même, là, malgré tout, malgré notre action. C'est peut-être quelques éléments là, de cette période-là sur lesquels on pourra peut-être revenir plus amplement. Là, peut-être là-dessus, je voudrais que vous me parliez
dans votre milieu familial, de la présence de, des femmes. Vous avez des sœurs, vous avez une mère, vous avez, c'est le mot culture que vous avez prononcé qui me fait vous poser la question. Nous, on était d'une famille qui était nombreuse, il y avait 9 enfants, donc certains pourraient dire qu'on devient sociologue parce qu'on est dans un milieu social très développé, mais ça serait un peu simple que de... Mais il y avait quand même une vie sociale, disons, très, très intense. Il y avait 4 filles et 5 garçons. Moi, je me situais, disons, au milieu de ça, et j'avais un frère jumeau, bon, dont les itinéraires ont été relativement, disons, différents. C'est un très bel objet d'analyse sociologique. Comment se fait-il que 2 personnes nées au même moment ont, pendant un certain temps, une vie relativement commune, similaire, et bon, se détachent l'un de l'autre, se différencient et ont ensuite des trajectoires plus ou moins différentes? Bon, c'est peut-être un beau cas d'analyse sociologique. Là. Ce serait relativement compliqué, disons, à analyser. Bon, c'est évident que en termes d'orientation de l'ensemble des professionnels, de l'ensemble de la famille, bon, compte tenu probablement du milieu social, les filles s'orientaient finalement vers les sciences infirmières, dans le but, entre autres, de rencontrer un membre d'une profession libérale, un médecin, un ingénieur, un avocat, et donc et de se marier. Le travail était finalement qu'un moyen, disons, d'accéder à un milieu social relativement, disons, aisé ou supérieur. Pour les garçons, c'était finalement le collège classique, en fonction finalement de cet objectif-là qui était d'en faire non pas des hommes d'affaires, mais beaucoup plus des membres de profession libérale. Dans le milieu local, il y a toujours, et ça je pense que ça se retrouve dans différents milieux, il y avait une opposition à l'intérieur, dont des classes moyennes et supérieures, entre d'un côté le pôle économique, qui étaient les commerçants et les petits entrepreneurs, qui était au niveau politique relativement plus conservateur, plus près de l'Union nationale. Et de l'autre côté, il y avait des membres des professions libérales, un certain nombre d'instituteurs et de cadres du secteur public qui, eux, étaient un peu plus ouverts, plus cultivés aussi au point de vue politique, disons, libéral. Cette opposition-là, finalement, est très intéressante à analyser dans ces milieux-là. Et ce qui est intéressant, c'est que... au niveau, finalement, des générations qui venaient, ceux qui étaient du pôle économique, probablement à cause de la situation, désiraient presque ce qu'était l'opposition, finalement. Libéral, était membre de profession libérale, politiquement plus ouvert, qui accordait une grande importance aux événements culturels, aux voyages, bon, etc., etc. Quoique ces deux pôles-là, dans une certaine mesure, étaient présents dans la famille même. C'est-à-dire, il y avait ce que je dirais, disons, un pôle plus économique et aussi plus politique, et un pôle qui était plus culturel, bon, qui était symbolisé ou représenté bon, traditionnellement, et c'est pas très différent dans notre famille en comparaison de d'autres familles, sauf que c'était peut-être plus actif. Là. Il y avait le pôle, disons, économique et politique qui était représenté par mon père. Bon, il était à la fois homme d'affaires, mais aussi... membres d'associations telles que les Chevaliers de Colomb ou la Société Saint-Jean-Baptiste. Il était aussi échevin, il a été maire pendant un mandat. Bon, je me souviens finalement d'une campagne électorale où on a fait du porte-à-porte pour distribuer des tracts. On suivait, disons, mon père pour applaudir au bon moment. On a fait un peu de stratégie politique. On savait à quel moment, disons, il fallait applaudir pour... Et on était situé à tel et tel endroit. C'est pas des grandes, grandes salles, mais... disons, donc, c'était une espèce d'initiation à la vie politique. Et ce pôle politique-là était très présent, finalement, à la maison. Il venait souvent des gens, disons, du milieu politique qui... c'était la même chose chez mon grand-père qui fait aussi de la politique locale et qui était en relation assez étroite avec Don Duplessis. Donc, ce milieu-là, finalement, était politique, était très présent. Bon, je me souviens d'être allé à des conventions avec mon père et avoir rencontré, je ne sais pas, l'honorable Diefenbaker, qui m'avait beaucoup impressionné, mais dont je n'ai malheureusement pas, ou paradoxalement pas, gardé un grand souvenir. Mais ça illustre un peu cette préoccupation pour la politique. Je pense qu'un des rêves ou des désirs de mon père lorsqu'il le secteur, disons, manufacturier dans lequel il était a commencé à péricliter, aurait été de se convertir, de se tourner
vers la politique et d'être député, soit au fédéral, soit au provincial. Je pense qu'un de ses fils ait pu faire la même chose. Ça aurait été pour lui une espèce de réussite, un signe de réussite. Donc, il y avait le pôle que j'appellerais plus politique, même si, bon, il n'y a pas eu de carrière. Bon, il y a eu une carrière politique, disons, municipale, qui était quand même significative, là. Il y a eu certaines participations au niveau fédéral et aussi au provincial. Dans la maison, il y avait quand même, à différents moments, donc des discussions d'ordre politique, c'est-à-dire les hommes politiques, les événements politiques. Mais compte tenu du contexte familial ou du milieu familial, l'orientation générale était relativement conservatrice. C'était bon, conservatrice et quelque peu nationaliste. Dans un temps, bon, lorsque je m'intéresserai un peu plus activement à la politique, bon, je serai en opposition aussi à cette orientation politique. Peut-être l'opposition au père, mais... sans devenir avocat, vous êtes quand même intéressé à la politique. Donc. Mais dès ce moment-là, il y avait une préoccupation pour la politique. Là. Ça, je reviendrai peut-être sur mon intérêt, disons, pour la politique, là, pour une forme d'action politique qui n'est pas, disons, l'action politique immédiate ou partisane. Là. L'autre pôle dont je parlais, là, c'était le pôle culturel, qui était plus symbolisé, comme traditionnellement, souvent aussi dans les familles, par la mère. C'est-à-dire, mon père pouvait s'intéresser à quelques activités, mais il lisait très peu. Il était même surpris ou agacé là, de voir que ma mère lisait beaucoup pendant les vacances. Et même surpris de nous voir, nous, étudiants, apporter des livres. Pour lui, bon, c'était soit on fabriquait, disons, un univers économique, on mettait en marché, disons, des produits, on agissait au niveau politique, mais... On lisait pas nécessairement. C'était soit une perte de temps, c'était un luxe. Pas nécessairement un luxe, c'était plus une perte de temps. Alors que pour ma mère, l'activité culturelle était très significative, très importante. Elle avait peut-être poursuivi un peu plus longtemps ses études. Elle avait fait des cours de musique. Elle jouait du violon à l'occasion. Elle initiait les enfants aussi, les filles, pas les garçons, mais au piano. Donc, il y avait une espèce... elle trouvait beaucoup de plaisir à lire. Mon père, donc, se limitait à ce moment-là à la lecture des journaux. Je pense que c'est un élément qui n'est pas négligé, disons, la présence quotidienne, disons, des journaux, et l'importance que l'on accorde à l'information, soit écrite ou orale. Mm-hmm. Par exemple, un des souvenirs que j'ai l'impression que j'ai des jeunes garçons qui vont, à ce niveau-là, avoir le même sentiment, le même type de rapport à ça. C'est, par exemple, l'importance que mon père accordait à ce qu'on appelait les nouvelles. Aux informations, c'était à une heure ou une heure et quart à Radio-Canada. Et lorsqu'on faisait un voyage, c'était toujours la même chose. À toutes les heures, on mettait le poste à Radio-Canada. Puis souvent, cinq minutes avant, on avait écouté à CKAC. Disons, et c'était toujours les mêmes informations. Mm-hmm. L'information politique, l'information d'actualité avait une très grande importance. Et, bon, à ces moments-là, tous les gens étaient attentifs et agacés aussi en ce qui nous concerne, les gens. Mais dans une certaine mesure, je ne dirais pas que je passe ma journée à toutes les heures à écouter, disons, un bulletin de nouvelles chaque heure. Mais pendant ma voiture, j'aime bien finalement que... chaque heure, j'aime bien écouter les nouvelles, même si ou le bulletin de nouvelles, même si c'est les mêmes informations que l'on obtient. Donc, il y a peut-être... Mais je pense que c'est un rapport à la vie sociale, c'est un rapport à la vie politique qui se transmet, disons, à ce niveau-là. Donc, il y a ces deux pôles-là qui étaient le pôle que j'appellerais économique et politique, parce que du côté de mes oncles, c'était un peu la même chose, du côté de mon père, et un pôle plus intellectuel du côté de ma mère, même si elle n'était pas issue, elle, d'un milieu, disons, proprement intellectuel. Mais ses frères, soit qui sont allés dans le secteur du clergé, qui étaient des intellectuels, finalement, soit qui sont allés dans le secteur des relations industrielles, bon, ou dans d'autres secteurs, donc, plus académiques, avec une espèce de milieu où on avait un certain nombre de discussions. Bon, je me souviens, lorsque les frères de ma mère venaient à la maison, bon, c'était la présence, donc, d'intellectuels. Il y en avait un, entre autres, qui était l'oncle Roger. J'ai aussi un frère jumeau qui s'appelle Roger, bon, qui était prêtre, animateur de la pastorale en milieu universitaire, qui avait voyagé en Europe, qui avait une grande connaissance, disons, de la peinture et des arts, et qui aimait bien converser de ces choses-là. Donc, il y avait un pôle intellectuel via, disons, ma mère, qui était toujours présent. Et je pense que si plusieurs d'entre nous
sans m'orienter finalement vers des activités intellectuelles, donc culturelles, comme mes frères et sœurs. C'est probablement à cause de ce pôle-là, cette dominante, disons, du pôle culturel, à un moment où finalement le pôle économique comme tel apparaît, disons, où les carrières proprement économiques dans le secteur où on était apparaissaient relativement impossibles. Donc, on s'est un peu reconverti. Bon, c'est un peu un exemple de reconversion de ce que j'appellerais un petit capital économique en capital culturel. Même si, bon, ce n'était pas nécessairement dans la... À cette période-là, encore, je pense que si la reconversion avait dû bien se faire, nous serions trouvés beaucoup plus dans le secteur des professions libérales. L'un médecin, l'autre avocat, l'autre... Et moins, disons, dans des activités proprement intellectuelles ou culturelles. Et ça, il faudrait essayer de l'expliquer, mais je ne pense pas que je veuille, disons, aller plus loin, disons, à ce niveau-là. Mais ces deux aspects-là vont toujours, pour moi, être importants, le pôle politique et le pôle, disons, culturel. Je dirais à la fin, si je veux me définir, que je fais finalement de la politique sous un mode culturel. Que je fais toujours de la politique, mais de façon indirecte, par l'écriture, par l'analyse, par dans l'enseignement. D'accord. Alors, par où est-ce que vous avez commencé votre chantier, M. Fournier? Au niveau de la formation. De l'écriture, surtout parce que on pourrait parler de ça brièvement, oui, la formation, puis après venir à... Ou l'inverse. Parce que je sais que vous faites une sociologie de la sociologie. Alors, c'est ça, fais une sociologie des intellectuels et je suis en train de me présenter en tant qu'intellectuel. Ben, ouais. Donc j'ai presque une... Et vous allez voir, il y a des éléments finalement de l'analyse que je présente qui vont être utilisés ou être utiles dans la compréhension aussi de ce qu'est, disons, l'intellectuel au Québec. Ouais. Le type d'intellectuel que l'on a. Pour continuer, disons, en termes, pas uniquement de formation, parce que, bon, pour connaître, disons, ce qu'était la formation d'un sociologue à cette période-là, on peut toujours regarder les programmes. On avait tel enseignement. Bon, tel prof, il y a des tels profs qui nous ont influencés, d'autres nous ont moins influencés. On s'est emmerdé dans tel type de cours. Bon, on a bûché en méthodologie, en statistique. Bon, est-ce que c'est très différent? Est-ce que c'est très pertinent? Ce que je retiendrai, disons, il y a toujours eu pour moi l'initiation à Montréal, qui n'a pas été nécessairement très facile. Je veux dire, tombé dans un grand milieu, dans des grandes salles de cours, il y avait, 200-300 personnes. Bon, c'était de sorte qu'il y a eu comme une période que j'appellerais relativement studieuse et peu d'activités, disons, proprement politiques, en termes de journalisme. Bon, j'ai tenté de faire un peu de journalisme au Quartier latin, mais c'était pas un milieu, finalement, dans lequel je me sentais très bien. Et j'ai plus consacré de temps, à ce moment-là, aux études. Sauf à la fin, finalement, où, avec un groupe d'étudiants et d'assistants de recherche, on a mis sur pied une revue qui s'appelait Anthropolitique. Le titre vient, finalement, d'une formule ou d'une notion élaborée à ce moment-là par Edgar Morin, qui voulait, finalement, signifier une politique de l'homme. Et on avait mis, finalement, sur pied une petite revue, dont deux numéros ont été publiés, qui avait un caractère très théorique. On se disait, finalement, que l'intervention dans le secteur politique ne devait pas nécessairement se faire uniquement par une action politique directe, mais devait passer par une réflexion, et même une réflexion très abstraite. De sorte que j'ai l'impression que les quelques numéros qui ont été diffusés ont été un nombre relativement peu nombreux, quoi qu'il y ait eu un certain impact dans certains milieux étudiants à cette période-là. Et je ne pense pas, finalement, que cette revue-là soit très importante, disons, dans l'univers, disons, même intellectuel de cette période-là. C'est plus la manifestation d'un groupe, manifestation relativement marginale et sporadique, d'un groupe d'étudiants en sciences sociales. J'ai par ailleurs participé, disons, lorsque j'étais aussi assistant de recherche, à la revue Socialisme, qui s'appelait Socialisme québécois. Donc, vous publiez... quelques textes, disons, dans cette revue-là, au moment où des gens comme Rioux, Dauphiné, commençaient à quitter un peu la revue pour la laisser entre les mains de personnes qui sont maintenant à l'Université du Québec, que ce soit Céline Saint-Pierre, Michel Van Skandel, ou aussi un moment où le marxisme comme lecture de la réalité, comme problématique, même si elle était présente dans le premier groupe, devenait beaucoup plus forte, beaucoup plus même structurée. Là. Donc, il y a eu cette participation-là à des revues durant cette période-là, jusqu'au moment où, finalement, je suis allé aux études en Europe,
pendant 2 ans. Et peu de temps après être revenu, je me suis retrouvé un peu par la force des choses, par le milieu dans lequel je circulais, à participer, disons, à la mise sur pied d'une autre revue, qui est la revue Possible, qui est aussi un mode d'intervention politique, disons, via les analyses, via les textes, via finalement une production culturelle. Disons. Mais ça donne peut-être une certaine idée, finalement, du type d'activité politique qui s'est exercée ou que j'ai exercée à ce niveau-là. Okay. Et qui est finalement toujours en continuité avec ce que je disais. On pourra revenir par la suite, disons, pour généraliser, en ce sens que, bon, pour moi, un des modes privilégiés d'intervention politique de l'intellectuel, même depuis la fin du 19e siècle, est ce mode d'intervention via la revue sociopolitique ou via, disons, l'essai. C'est-à-dire qu'il intervient directement dans la politique, en dehors, disons, des partis politiques et en dehors de toute partisanerie. Et même en opposition aux politiciens, en opposition à la politique avec un petit P. Et bon, on pourra en faire à la fois une analyse et aussi une critique de ce rapport de l'intellectuel à l'action politique. Parlez-en pendant une diète. On pourrait peut-être, en même temps, disons, faire une propre autocritique, disons, de mon propre cheminement. Mais je pense que c'est un peu lié à la position qu'occupe l'intellectuel dans la société. Là. Et pour moi, disons, c'est aussi lié à l'opposition qui était présente, là, même à cette période-là, entre une action politique directe, par les hommes politiques, par les politiciens, et une action, disons, politique plus indirecte, disons, qui était le fait des intellectuels. En se disant, finalement, et je me rappelle, moi, à ce niveau-là, un peu ce que Fernand Dumont a déjà dit dans une conversation. On avait l'impression, lui le disait probablement 10 ans plus tôt que nous, on avait l'impression qu'on pourrait faire plus pour la collectivité, disons, à travers ce type, disons, d'intervention qu'est, disons, la sociologie, qu'est l'article, disons, dans une revue ou la publication d'un essai. On ferait plus, disons, pour la collectivité que d'être politicien et de participer, disons, au débat et à toute la politicarie, disons, qui implique, disons, cette vie parlementaire et cette vie, disons, à l'intérieur d'un parti. Donc, il y a un peu ce même esprit qui me caractérisait, disons, durant cette période-là et qui caractérise, je m'en aperçois, disons, en étudiant les intellectuels et qui caractérise, je pense, les intellectuels québécois depuis au moins la fin du 19e siècle. Là. Avec des gens comme Gérin, peut-être moins, mais des gens comme Bouchette ou comme Étienne Parent. Et aussi, disons, qui s'est poursuivi dans les sciences sociales, entre autres, avec le développement des sciences sociales dans les années 45-50. C'est un mode d'intervention que l'on a privilégié. Bon, on voudra en étudier, disons, les fonctions, voir un peu qu'est-ce que ça signifie. Il faut voir que, par exemple, lorsque les sciences sociales ont été mises sur pied à Montréal en 1920, là, un des objectifs était finalement pour... est-ce que c'est la même signification actuellement? Bon, ça nous amènera à faire une critique de l'intellectuel, une critique de ma propre activité, mais ça, bon, d'autres pourront peut-être le faire. Mais ce qui était intéressant, c'est que ça, pour les gens à cette période-là, on avait le sentiment, le pressentiment que l'action politique directe deviendrait de plus en plus difficile pour les membres de ce qu'on appelait l'élite, par exemple les membres des professions libérales, parce que les gens auraient de plus en plus tendance à élire, disons, des gens de leur propre milieu. Oui. Par exemple, dans les comtés ruraux, on avait l'impression que les gens auraient tendance à élire un cultivateur. Dans les milieux ouvriers, bon, on avait l'impression que de plus en plus, les gens auraient tendance à vouloir élire des ouvriers, des gens de leur propre milieu, de telle sorte que ce qu'on appelait l'élite, les membres des professions libérales, risquaient de se trouver marginalisés de la vie politique directe. Et on écrivait dans les textes, par exemple, dans l'Action nationale ou l'Action française un peu avant, le rôle maintenant, disons, de l'élite éclairée, c'est de faire de la politique, mais de faire de la politique avec un grand P. Donc, d'intervenir, disons, sur les grandes décisions, mais sur la base, disons, de savoir, sur la base, disons, d'une connaissance. Oui. Donc, c'est développé, disons, dès le début, disons, des sciences sociales, cette idée-là d'intervention dans la politique, mais à travers la culture, à travers le savoir, à travers... Bon, c'était l'esquisse, peut-être, d'une pensée, disons, technocratique, là, si on veut, qui était déjà... présente, mais je pense que dans l'ensemble, disons, de la tradition des sciences sociales au Québec, là, il y a eu ce rapport à la politique qui est présent, qui est un rapport
plus ou moins direct. Pour les uns, finalement, via des postes administratifs dans la fonction publique, et pour d'autres, disons, via l'écriture, via disons, des textes, via disons, un enseignement. Donc, ce rapport à la politique a toujours été présent dans l'histoire des sciences sociales. Qu'est-ce qu'on peut dire de la sociographie québécoise? Et la sociologie, finalement, s'est constituée dans le mouvement même où cette réalité-là, disons, se structurait et se déstructurait continuellement. Là. Bon, est-ce que la sociologie a été importante dans la définition d'une nouvelle conception du Québec ou est-ce qu'il a été finalement à la remorque des transformations idéologiques? Bon, je dirais finalement que la sociologie a été un peu des deux. Et, tout au moins dans les années 60, elle a eu un rôle très actif dans la définition disons, de la société québécoise, non plus comme une ethnie ou comme une communauté, mais comme une société globale. Je pense que la sociologie s'est donné un objet propre, qui était la société québécoise, au même moment, finalement, où des mouvements nationalistes essayaient de constituer le Québec, disons, comme nation. De sorte que dans les années 60, entre le mouvement, ce qui était disjoint avant, le social et le national, s'est rejoint et s'est superposé à ce moment-là la notion de société globale, Québec comme société globale, à celle donc du Québec comme nation. Donc, il y a eu un peu des deux qui se sont joints et les sociologues ont aussi participé au mouvement nationaliste. Donc, les deux mouvements de la sociologie et du mouvement nationaliste se sont rejoints. Donc, ça illustre quand même le travail qui s'est fait, disons, à ce niveau-là en sociologie et qui montre assez bien la part donc, de la sociologie. Bon, au niveau des problématiques, là, pour être peut-être un peu plus donc systématique, là, si on peut disons, en définir, j'en définirais peut-être trois grandes, là, qui valent ce qu'ils valent. C'est des classifications qui ont un avantage surtout pédagogique, dans le sens que ça met les choses claires et bon, on se souvient de ça, on peut mettre des noms. Ça se retient, puis c'est un... quoique la première, je la diviserais peut-être en deux, et ça s'inspire finalement des axes d'analyse qu'on retrouve dans différents ouvrages sur les sociétés dépendantes. Et le premier axe, finalement, c'est l'axe société traditionnelle, société moderne. C'est-à-dire le passage de la société traditionnelle à la société moderne. C'est le premier mode d'analyse, disons, c'est souvent l'analyse souvent des communautés. À ce moment-là, le Québec apparaît souvent comme une petite communauté ou comme une ethnie. Finalement, qui vit ce passage-là, et parfois, disons, à la fin de cette problématique-là, aussi comme une disons, société. Mais cette problématique-là, de passage disons, de l'ancien au moderne, a été d'abord élaborée par Léon Gérin, bon, qui, lui, était le témoin et l'apôtre, disons, de l'entrée dans la modernité. Ce qu'il a observé, finalement, dans ses monographies, c'est la disparition, disons, graduelle, maintien aussi, mais d'un certain mode de vie, qui était le mode traditionnel. Et le passage à un mode donc, plus nouveau qui était quand même identifié au mode anglo-saxon. On pourrait toujours revenir sur les idées que le Gérin avait sur le Québec ou sur le Canada. C'est évident que pour lui, le Québec disons, devait, au niveau culturel, se transformer et acquérir, tout en gardant un certain nombre de traditions françaises, acquérir les attributs disons, anglo-saxons, par exemple la formation à l'initiative, les traits, disons, de la famille qu'il appelait particulariste, qui étaient présents, disons, ces traits-là, dans les milieux anglo-saxons. Donc, il y a eu cette première problématique, disons, de passage de la société moderne à la société traditionnelle et qui est reprise, finalement, par les gens qu'on appelait l'école de Laval, là, avec Falardeau, qui était un peu à ce niveau-là un élève ou un disciple, disons, de Verrett Hughes. Il a fait une enquête, disons, à Drummondville et qui s'est intéressé à ce type de problème-là, et plus particulièrement au problème disons, de l'écart entre une infrastructure économique qui est industrielle et une superstructure qui est bon, c'est-à-dire des institutions, des mentalités qui sont relativement traditionnelles. Et tout le problème pour lui était celui du rattrapage, c'est-à-dire de combler l'écart. Ça signifiait finalement à la fois deux choses, c'est-à-dire combler l'écart entre l'infrastructure et la superstructure, mais ça signifiait aussi rattraper le Canada anglais au niveau de l'ensemble des institutions. De sorte que, bon, on a pu très bien, il y a raison d'appeler cette période-là, c'est la période de l'idéologie de rattrapage, qui a marqué beaucoup, disons, les gens de l'Université Laval, qui a marqué, disons, les travaux, disons, de cette génération, disons, de cette première génération de sociologues professionnels. Oui. Et qui s'est terminé dans une certaine mesure avec tout le débat sur la folk society,
qui est probablement le premier débat important à l'intérieur de la sociologie. Il y en a peut-être deux, selon moi, on verra le deuxième, celui sur la classe ethnique. Le premier, c'est sur la notion de « folk society ». Est-ce que le Québec a été une petite communauté traditionnelle au sens où les anthropologues américains pouvaient de Chicago pouvaient le voir ou le décrire? Et bon, on disait qu'à la limite, Gérin avait eu un peu cette image-là. Bon, les gens de Laval avaient un peu cette image-là. Et c'est finalement pas un jeune Turc, mais un gars un peu de l'extérieur du milieu qui était Garing, qui a... s'est embarqué, disons, sur son cheval, puis c'est pas à combattre les moulins à vent, même s'il y en a qui l'ont décrit comme un Don Quichotte, mais... Parce que, bon, il y en a qui ont dit, bon, l'école de Laval n'a jamais existé, on se bat contre des choses qui n'existent pas, mais qui a voulu soulever une polémique concernant, disons, cette problématique de la folk society, en disant, bon, le Québec n'a jamais été une folk society, ça a déjà été, dès le départ, une société urbaine, bon, etc., et qui critiquait. Bon, des gens comme Guindon, et des gens comme Rioux était à Ottawa, à ce moment-là, se sont aussi impliqués dans ce débat-là, ont écrit, ont nuancé, et c'est probablement la première polémique vraiment intéressante à l'intérieur de la sociologie, disons, québécoise, et qui, probablement, disons, qui est dans les années 50-60, et qui correspond au moment où la sociologie aussi se développe à Montréal. Et bon, ce développement-là va probablement donc, modifier l'ensemble du milieu intellectuel en sociologie au Québec. Là. Mais graduellement, en fonction aussi de la conjoncture, va se développer une deuxième problématique. Bon, la première, j'appellerais le passage de la société moderne à la société traditionnelle. Bon, cette première axe-là va toujours demeurer, c'est-à-dire même chez des gens que j'appellerais de l'autre problématique, par exemple Rioux, bon, Dumont ou bon, Grand Maison, qui vont participer à l'élaboration de l'analyse ou de la problématique du Québec comme société globale. Bon, chez ces sociologues, la première problématique est là, mais se juxtapose une autre. C'est-à-dire, c'est plus une question uniquement de relations. Le Québec n'est plus uniquement une question de relations entre des ethnies dont les traits culturels sont différents, ou des communautés, mais c'est deux sociétés finalement différentes. Mais c'est des sociétés qui ont passé, tout au moins en ce qui concerne le Québec, c'est une société qui est passée du mode traditionnel au mode moderne. Bon, chez Dumont, soit dans ses enseignements, soit dans ses écrits, l'armature centrale, c'est finalement la typologie traditionnelle, moderne, et le passage de l'un à l'autre. Si vous lisez les textes de Rioux, c'est aussi présent, les textes de Grand Maison, c'est aussi présent, les textes de Rocher, les essais de Rocher, c'est aussi présent, Fortin, La fin d'un règne, c'est aussi présent. Donc, cet axe-là est quand même présent, sauf que le Québec... Bon, qui connaît ce passage-là et non plus défini comme une communauté ethnique ou culturelle, mais comme une société qui a ses propres institutions, sa vie économique, sa structure sociale, son idéologie, qui peut être l'objet d'une étude en tant que telle, séparable, disons, d'une étude du Canada anglais. Ce qui apparaît souvent, pour nous, disons, c'est devenu quasiment normal qu'il en soit ainsi, mais il faut bien voir que, bon, ça ne l'était pas nécessairement avant. Bon, ce qui intéressait, par exemple, Everett Hugh, c'était bon, les relations ethniques entre le groupe francophone et le groupe anglophone. Bon, c'était ce type d'analyse-là qui le préoccupait. Et même bon, les sociologues de cette période-là avaient des relations disons, très étroites avec le milieu anglophone, faisaient disons, partie d'associations publiées dans des revues canadiennes anglaises, bon, étaient bon, en relation avec la fédérale, bon, ou travaillaient disons, avec le milieu fédéral. Et je pense que bon, l'ensemble de la réalité qu'ils avaient à prendre en considération était peut-être d'abord le Québec, mais un Québec inséré en tant que groupe ethnique à l'intérieur de l'ensemble canadien. Alors que pour la période des années 60, l'objet d'études privilégiées qui se constitue, c'est le Québec. Avec ses idéologies, on étudie les idéologies québécoises, canadiennes, françaises au Québec, on étudie la structure sociale, on étudie, disons, la structure économique. Il y a rarement, disons, et ça serait peut-être très intéressant à l'étudier, rarement, disons, et ça surprend aussi les intellectuels ou les sociologues étrangers qui disent, bon, vous campez dans la nation, vous n'étudiez que votre réalité québécoise, alors que la réalité qui se donne à vous est la réalité canadienne. Bon, il y a tout un enjeu, et je pense que dans les différents départements, et même actuellement, avec le développement dans les différents départements, il y a des discussions probablement à ce niveau-là, et même avec le développement d'un certain courant marxiste depuis quelques années, la réalité en a dit est redevenue le Canada. Le Québec étant une région à l'intérieur du Canada, la bourgeoisie québécoise ou canadienne-française pouvant être à ce moment-là une fraction d'une bourgeoisie canadienne, on voit réapparaître disons, une problématique plus canadienne qui. De telle sorte que, bon, la sociologie en se développant,
constitue finalement son objet, qui est soit la société québécoise, la région, disons, l'ethnie. Et dans les années 60, ce qui est intéressant de remarquer, c'est que c'est le moment où la sociologie, il faut lire, bon, même si on appelait le titre du livre « La société canadienne-française », il faut lire dans l'introduction de qu'en fait Rioux et Martin, et en laquelle on dit finalement explicitement le Québec, la perspective qu'on adopte, c'est le Québec comme société globale, c'est-à-dire ayant ses institutions, sa structure sociale, son économie, son idéologie, donc susceptible d'une analyse, disons, spécifique et différente donc, de l'analyse que l'on peut faire de la réalité pan-canadienne. Et dans les textes de Dumont, cette perspective-là est aussi présente. Le dernier texte de ce volume-là s'intitule, je pense, c'est l'étude du Québec comme société globale. Donc on voit cette perspective-là influencée un peu au début par une perspective un peu fonctionnaliste, ou structuro-fonctionnaliste à l'américaine, mais sans que cette perspective-là, sauf peut-être via Rocher, ait une grande influence donc, sur l'ensemble donc, des productions de cette disons, de cette période-là. Mais c'est évident que le passage disons, de la théorie disons, du folk, la folk society à cette problématique disons, la société globale n'est pas tout à fait indépendante, disons, ce passage-là n'est pas tout à fait indépendant des modifications de problématiques sociologiques aux États-Unis. On passait de Chicago à Harvard, disons, avec Parsons, disons, durant cette période-là. Pour moi, disons, c'est évidemment l'analyse du Québec comme société globale des années 60, c'est probablement la période, en termes d'essai, qui va être la plus riche. Oui. On retrouve un certain nombre d'ouvrages. Là, je me limite surtout au niveau des essais. C'est évident qu'on pourrait voir l'effet, disons, de ces problématiques-là sur les enquêtes empiriques, disons, des chercheurs, sur les écrits ou les monographies. L'essai, pour moi, est ainsi une espèce d'analyse beaucoup plus globale de la situation. Ça va être, par exemple, la question du Québec, ce sera Vigile du Québec pour Dumont, ce sera le Québec en mutation. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus... C'est moins le spécialiste qui fait une enquête sur un sujet précis que l'intellectuel, bon, qui intervient un peu en dehors de ses propres compétences, c'est un peu la définition que je donnerais de l'intellectuel, mais qui intervient sur les grandes valeurs, les grandes orientations de la société, là. C'est pas parce que tu es sociologue que tu peux dire, bon, croire en Dieu, disons, est meilleur que ne pas croire, ou c'est pas parce que tu es sociologue que tu dois nécessairement émettre tes opinions sur la religion comme le font, bon, les différents essayistes dans leurs écrits. Bon, il y a un espèce de rapport ici à l'action à travers l'essai qui est bien particulier. C'est surtout cette littérature-là que j'étudie. Bon, dans les années 60, il y a quand même beaucoup d'essais qui vont être publiés et qui vont véhiculer, disons, cette problématique-là. Et qui va donner lieu, je pense, et c'est à un moment donné très intéressant de le noter, avec le développement, disons, de la problématique marxiste qui va se faire dans les années 60, qui va donner lieu à un deuxième débat important, qui est le débat sur la notion de classe ethnique. Une notion qui avait été élaborée par Rioux et par Duffney pour tenir compte, disons, de la double réalité, finalement, de la société québécoise. Surtout double réalité qui apparaissait comme telle avec le développement, disons, du marxisme, qui était d'être à la fois une société globale et d'être une ethnie. Donc, on a introduit la notion, disons, qui demeure ambiguë, disons, de classe ethnique pour caractériser ce qu'on appelait la double stratification, mais moi, je dirais presque pour essayer d'unifier les deux problématiques, celle qui était, bon, de la société globale et celle qui était beaucoup plus marxisante, qui nous parlait, disons, d'un espace divisé en classes sociales. Ils ont introduit la notion de classe ethnique qui va être largement et de façon aussi très virulente critiqué par les plus jeunes marxistes, tels que Bourque et Frenette. Mmh. Et on aura, disons, un troisième axe d'analyse qui va se développer, qui va donner lieu aussi à un certain nombre d'essais, qui est l'axe que j'appellerais classe dirigeante, classe populaire. Donc, c'est le premier étant passer à la société traditionnelle, à la société moderne. Le deuxième, que j'ai appelé la problématique de la société globale, pourrait être identifiée comme problématique, disons, de la société dépendante, société indépendante. C'est-à-dire, bon, lorsqu'on constitue le Québec comme société globale, on l'inscrit presque dans un mouvement de libération nationale, dans une certaine mesure, ou tout au moins, cette définition-là s'est articulée, disons, à un mouvement de libération ou d'indépendance. Donc, c'est le deuxième axe, société globale, mais qui s'inscrit, disons, dans l'axe problématique de la société globale, s'inscrit dans l'axe société dépendante, société indépendante. Le troisième, c'est l'axe, disons, société, pas nécessairement société, mais classe dirigeante, classe populaire. Et c'est finalement l'appui aux diverses luttes populaires
qui se sont développées, et donc avec l'introduction, disons, la diffusion du marxisme, et qui a influencé tout un ensemble, disons, d'essais, dont ceux de Burke, Frenette, et qui ont aussi influencé un certain nombre de travaux plus empiriques sur les classes sociales et sur la bourgeoisie au Québec. Donc, les années 70 à 80 ont été largement marquées par cette problématique-là, avec probablement aussi tout un ensemble de discussions qui opposaient, bon, d'une part, ceux qui continuaient à considérer le Québec comme une société, donc qui était, je pense, le groupe le plus important dans le courant marxiste, donc qui est un peu en tradition, en continuité avec leurs précurseurs, même s'ils se sont opposés. Au lieu de parler de société, on a parlé de formation sociale. Bon, Rioux parlait peut-être de société tronquée, Dauphiné aussi. Ouais. Eux ont parlé de formation sociale tronquée. Je veux dire, les termes sont peut-être un peu différents, mais c'est une problématique qui est similaire. Et d'autres, plus récemment, bon, ont constitué le Québec non plus comme une société ou une formation, mais comme une région. Bon, c'est probablement à l'intérieur de cette confrontation-là que la discussion est actuellement la plus vive à l'intérieur, disons, de la sociologie. Bon. Oui. Vous me parliez du troisième moment de la sociologie. Mais la troisième problématique. Donc, j'aimerais que vous documentiez ça encore un peu pour moi. Non, mais les problématiques ne sont pas nécessairement totalement séparées les unes des autres. Ça peut se superposer, il y a des mélanges. C'est plus une classification là, toute théorique. Dans la réalité, finalement, les auteurs empruntent de l'une ou l'autre des problématiques. Et la dernière, finalement, qui est plus inspiré souvent par le marxisme, signifie finalement, bon, on renvoie à l'opposition entre les classes dirigeantes et les classes populaires et signifie finalement un parti pris pour les classes populaires. Et ce parti pris-là a toujours été présent dans tout le développement, disons, de la sociologie, même si on a eu une sociologie dans les années 60 qui était une sociologie, disons, très près du pouvoir, hein, sociologie très près de la technocratie. Et ça, bon, certains d'entre nous ont déjà commencé finalement à vont commencer à faire une critique de cette période-là, à tort ou à raison, mais une critique qui commence. Mais on retrouve quand même une préoccupation pour les classes populaires dans la sociologie dès le départ, et avec une continuité, disons, dans la perspective que je pourrais caractériser dans les termes suivants, là. C'est-à-dire que se caractérise par l'opposition entre, d'une part, le totalitarisme, dont le communisme, et d'autre part, dont le libéralisme. C'était les deux grands pôle auquel on s'est opposé continuellement. Et la sociologie a toujours été, ou les sociologues, disons, préoccupés finalement des intérêts de la classe populaire, et donc préoccupés d'un nouveau projet de société, ont toujours été finalement à la recherche d'une troisième voie. Bon, est-ce que c'est lié à la position intellectuelle? Est-ce que c'est à cause de l'influence du catholicisme, bon, qui orientait vers aussi une troisième voie? Est-ce que c'est la conjoncture québécoise ou est-ce que c'est la situation propre au Québec qui a amené les intellectuels à être fascinés, disons, par la troisième voie? Mais on retrouve toujours cette constante, disons, dans la préoccupation, disons, des sociologues ou des gens en sciences sociales pour les classes populaires, qui est de s'opposer à la fois au totalitarisme, donc le communisme, et au libéralisme, mais de trouver cette troisième voie-là. Et cette troisième voie-là était, dans un premier temps, le mouvement coopératif, le coopératisme, auquel, finalement, ont participé directement les professeurs de l'Université Laval. Bon, Falardeau, Buissière, le père Lévesque, bon, etc., étaient dans le Conseil de la coopération, dans le Conseil supérieur de la coopération. Ils publiaient, donc, des articles dans la revue Ensemble. Donc, cette participation au mouvement coopératif, qui au début, mais pas nécessairement au moment où les sociologues sont impliqués, était d'inspiration un peu corporatiste. Mais je ne pense pas que tout le mouvement corporatiste et que tous les sociologues qui ont participé au mouvement partageaient cette idéologie-là, peut-être à un moment donné, mais pas nécessairement donc par la suite. L'autre mouvement auquel les sociologues ont été étroitement liés et qui s'inscrit aussi dans cette recherche continuelle, et je dirais presque éternelle, d'une troisième voie, peut-être un peu pessimiste sur la découverte d'une troisième voie, c'était le mouvement de participation-animation des années 60. Ouais. Tout le thème, finalement, ouais, de l'animation, tout le thème de la participation, ouais, on retrouve, finalement, dans les écrits et les essais, disons, des sociologues de ces années-là, de façon constante, de façon très forte, disons, ce thème-là. Bon, Dumont revient continuellement sur ce thème-là de la participation. Grand Maison, on s'est fait l'apôtre de la participation. Ou le prophète de la participation, selon l'axe sur lequel on le prend.
on s'est impliqué dans des mouvements disons, de participation. Et les étudiants en sociologie ont été très, très actifs dans les années 60 à l'intérieur donc, des expériences d'animation. Pour les gens de Laval, c'était le BAEQ, qui était une école de formation très importante. Pour les gens de Montréal, c'était l'animation en milieu populaire, qui était, disons, aussi un élément disons, très important. Bon. Certains, finalement, ont poursuivi disons, cette action-là, ont devenu animateurs. D'autres, finalement, se sont désillusionnés et sont actuellement dans des organisations politiques beaucoup plus structurées. Ils ont peut-être abandonné, finalement, la recherche de la troisième voie, la naissance, disons, d'une espèce de mouvement populaire relativement spontané, puis sont retournés, finalement, à une tradition marxiste-léniniste plus classique dans le rapport entre l'intellectuel, concernant le rapport entre l'intellectuel et la masse. Et le troisième, finalement, est relativement plus récent, c'est l'autogestion, qui est un thème, finalement, qui réapparaît, ou qui apparaît, au moins au Québec, si, depuis un certain nombre d'années, dont on retrouve, je pense, un écho important dans la revue Possible qui a organisé un colloque sur ce thème-là. Et qui s'inscrit aussi dans cette recherche donc, d'une troisième voie entre le totalitarisme et le libéralisme, et qui implique aussi, ce qui est assez important, disons, à noter, l'idée finalement que ce qui est très important au niveau politique ne se fait pas nécessairement dans la sphère politique, mais dans la sphère ou de la société politique, pour prendre des termes de Gramsci, mais dans l'univers, disons, de la société civile, où on organise, on s'organise finalement des réseaux de relations sociales, on s'organise finalement, on met sur pied des entreprises, disons, économiques que l'on contrôle, et donc on organise tout un ensemble, disons, de tout le tissu social, tout le tissu, disons, de solidarité sociale, dans lequel finalement le peuple ou les individus sont inscrits, sont encadrés, non? Donc, aussi, ça revient peut-être au thème qu'on a abordé au départ, là, de l'intervention dans la politique en dehors donc, de l'action politique. On voit très bien encore à travers ces trois grands terrains disons, d'action, une même finalement constante, la même constante qui, lorsque les intellectuels, les sociologues en tant qu'intellectuels agissent dans l'action politique, ils le font finalement en dehors souvent. Bon, pas toujours, parce que bon, un certain nombre se sont inscrits dans l'action politique, ont milité, disons, dans des partis, mais s'inscrivent, disons, souvent à l'extérieur, disons, des partis politiques et à l'intérieur de certains mouvements sociaux. Donc, cette fascination, disons, pour les mouvements sociaux, et donc pour une action en dehors, disons, des partis, en dehors de la discipline des partis, en dehors, disons, de la conquête, disons, du pouvoir comme tel, oui. Pour se rapprocher à la fois, disons, il y a un certain populisme qui a toujours été présent à l'intérieur donc, de la sociologie et qui caractérise de façon peut-être encore plus nette la troisième problématique que j'ai décrite là, antérieurement, classe dirigeante, classe populaire, mais qui était aussi présente, cette préoccupation était aussi présente dans les autres problématiques dont s'inspirent les sociologues québécois antérieurement. Là. Soit. Bon. Alors, vous m'avez parlé abondamment de trois types d'écriture, mm-hmm. trois problématiques. Mm. Je me demande si on peut, si vous percevez la possibilité d'un dépassement, parlant de possible, la possibilité d'un dépassement de ces problématiques. Soit que ce dépassement provienne du succès de la troisième voie, ou qu'on ait un quatrième type. Tu es à la recherche du quatrième type, quoi, de sociologie. Oui. Donc, moi, je n'ai pas une perspective, finalement. De par les travaux que j'ai faits sur le développement du milieu intellectuel, j'évite d'avoir une perspective, disons, d'achèvement, c'est-à-dire, ou une perspective que j'appellerais téléologique, c'est-à-dire que l'évolution va vers telle chose. Oui. L'évolution progresse vers un autre stade, et on arrive actuellement au stade final, et on aura quelque chose de nouveau. Peut-être que la situation économique et sociale dans laquelle on vit actuellement ne nous permet pas d'avoir cet optimisme et de dire, bon, on s'en va vers un meilleur monde, etc., etc. Et je ne peux pas dire, disons, en ce qui concerne la sociologie, on s'en va vers un quatrième type de sociologie qui va dépasser les autres, qui va faire la synthèse, disons, des autres. Je n'ai pas cette prétention de dessiner, disons, un type de sociologie qui serait nettement différente. Et même pour ceux qui la font actuellement, bon, comme moi, on s'oppose à un certain nombre d'aspects, disons, de sociologie antérieure, mais je ne pense pas qu'on soit toujours en mesure de dire ce qu'elle est comme telle. Je pense qu'elle va apparaître
dans son originalité ou dans sa spécificité a posteriori, lorsque les œuvres finalement qu'on entreprend seront relativement plus achevées et la période dans laquelle on aura produit ces œuvres-là finalement sera... Mais ne peut-on pas croire au moins que il y a la nécessité d'une rupture avec ce qui est antérieur pour développer un nouveau langage, une nouvelle interprétation du devenir de la société mm-hmm. québécoise, dans la conjoncture même mm-hmm. où nous sommes placés maintenant. Mm-hmm. Quand vous faites vos types à visée pédagogique, vous marquez mm-hmm. des continuités. Oui. Je suis convaincu que... C'est aussi des ruptures, quoi. Non, j'ai voulu surtout m'amuser pour montrer, disons, les continuités, mais uniquement dans les conditions de travail, dans la façon de faire le travail, il y a eu des ruptures importantes. Je dirais que sociologue en 1920 ou en 1940, aujourd'hui, c'est finalement faire un type de boulot qui est relativement, disons, différent. C'est faire des types d'écrits. Même les types d'écrits qu'on fait, le type de revue auquel on publie, c'est pas nécessairement dans les mêmes conditions qu'antérieurement. Est-ce que je dirais finalement que ça conduit actuellement dans un autre type de sociologie? Et comment on pourrait caractériser même ce qui se fait actuellement dans la sociologie? C'est beaucoup plus des tendances qui sont présentes. Est-ce qu'elles vont porter fruit ou non? Ouais. Ça, c'est plus difficile. Par exemple, les mouvements sociaux ont toujours un impact sur la sociologie, soit comme objet, mais aussi comme modification donc, de la problématique. Le mouvement féministe a actuellement un impact sur la sociologie. Est-ce qu'on aura une sociologie féministe? Je pense qu'on aura un type de sociologie comme en littérature qui va être marqué par ce mouvement-là. Est-ce que ça va être de longue durée ou non? Ça, c'est plus difficile. C'est la même chose, par exemple, le mouvement contre-culturel qui a affecté finalement la littérature, a peu affecté, disons, la sociologie. Bon, moi, je l'ai vu à un moment donné dans des travaux d'étudiants qui ont peut-être été assez mal reçus souvent dans les départements, qui adoptaient un langage, une problématique vraiment, qu'on dirait flyée, sans aucune connexion ou sans aucune relation avec ce qui s'est fait, disons, en sociologie. C'était des essais poético, disons, littéraires. Bon, je sais que certains professeurs sont fascinés aussi par cette problématique-là. Est-ce qu'elle va donner fruit, est-ce qu'elle va donner naissance à une nouvelle sociologie, un nouveau rapport à la sociologie? Est-ce que ces nouveaux rapports-là vont être marginaux, périphériques, sporadiques? Ça, c'est très difficile, disons. C'est la même chose, par exemple, avec le développement de la sociobiologie aux États-Unis. Bon, ce courant-là marque actuellement un peu la sociologie, mais marque de façon encore marginale, disons, la sociologie. Bon, est-ce que ce courant-là, cette problématique-là... qui a une perspective assez générale liant les problèmes biologiques aux problèmes sociologiques, liant les comportements, disons, établissant des comparaisons entre les humains et les autres êtres vivants. Bon, est-ce que cette problématique-là va donner fruit? Pour l'instant, j'ai dégagé le trois tendances nouvelles. Bon, pour l'instant, je demeure encore assez sceptique sur le développement de ces perspectives-là, tout au moins en ce qui concerne la sociologie québécoise. Bon, d'autant plus finalement que l'objet, c'est peut-être là la grande question pour la sociologie québécoise, c'est-à-dire que l'objet que l'on étudie, qui est la société québécoise, est encore en période de structuration et déstructuration. J'ai l'impression que la sociologie, comme une partie de la littérature, va demeurer encore marquée par cette préoccupation-là, ou par cette quête, disons, d'identité-là, pour un certain nombre d'années encore. Est-ce que ça sera 100 ans? Il faut dire que la période pendant laquelle, finalement, la sociologie existait, elle venait jusqu'à date, même si on parle, disons, de continuité ou de rupture, bon, c'est une période relativement courte dans l'histoire même des productions intellectuelles. Oui. Bon, est-ce qu'on doit avoir des ruptures à tous les 5 ans? L'idée de rupture étant tellement... populaire, on a tendance à avoir des ruptures à le plus souvent possible, alors que, bon, ce que j'ai essayé de montrer, c'est quand même un certain nombre de constantes, et où on s'inscrit, nous, actuellement, disons, en 1980, à l'intérieur, disons, de la sociologie, est-ce que c'est la fin d'une ancienne sociologie, ou d'un ancien discours sur la réalité sociale, ou si c'est déjà l'émergence d'un nouveau discours sur la réalité sociale? Ça, je te laisse même la réponse. Alors, dans ce cas, je vais vous remercier, M. Fournier.